Oh yeah, j'ai fait une entrevue. Regardez-moi ça, faut que je fasse des vues. Oh yeah! Alors, what's up YouTube? Ici Alexandre Slatskunix. Donc, pour une mini-review, une mini-revue, hein? Donc, des jeux que je ne connaissais pas du tout avant, mais que j'ai découvert avec le temps. Ça s'appelle Journey to Silius. Donc, c'est un genre de shooter, genre plateforme, pour le Nintendo Entertainment System, pour le NES. So, yeah, on y va. On check ça, puis je vous dis ce que j'en pense. Peace! Alors, le jeu aujourd'hui, Journey to Silius. Donc, c'est quoi ça? C'est un jeu à la NES, NES plutôt, qui se situe au Nintendo dans les années 90. Et je dois admettre que je suis fort épaté par la qualité du jeu, puisque je ne connaissais pas ce jeu, et que ce jeu est un jeu, mais oui, un jeu extraordinaire. Écoute, il est différent de tout ce qu'on a connu au Nintendo, et je dois dire même qu'il m'a surpris par son niveau de qualité. Donc, il est fun, la musique est bonne, un peu mégamaniche, mais vraiment cool. C'est l'histoire d'un jeune homme que son père était un savant qui, on ne sait pas s'il est décédé ou il a disparu, mais en tout cas, il a laissé des disquettes informatiques expliquant qu'est-ce qui s'est passé. Donc, lui, le petit bonhomme, il s'en va à la recherche de son père, ou plutôt, il s'en va le venger. Donc, c'est un jeu d'action, plateforme, genre style shooter, comme j'ai dit dans l'intro. Et je dois admettre que c'est vraiment, 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 vraiment cool parce que je connais pas tous ces jeux-là au NES, mais dans ce temps-là, c'était vraiment cool. Donc, j'aime ça dire jeu, jeu, jeu et cool. Donc, si je pouvais donner une note là-dessus, ce serait cool 8 et jeu 100%. En tout cas, l'action est bonne, la musique est bonne, écoutez. C'est un jeu excellent. Je vous le conseille. Pourquoi je dis qu'il est si bon que ça? Eh bien, c'est parce qu'avec le temps, ils ont sorti plusieurs jeux sur cette console-là. Vraiment, je pense que c'est la console qui en détient le plus. Mais je ne suis pas certain. Mais en tout cas, on peut dire que les jeux comme ça se démarque. Mais je ne le connaissais pas depuis tout ce temps-là. Donc maintenant que je le connais, je dois admettre que je suis fort épaté et que je le conseille fortement. Donc si vous avez le temps, trouvez-le. Et si vous n'êtes pas capable de le trouver, ben, téléchargez-le. Sinon, ben, il est disponible sur le Nintendo Entertainment System, sur le Nintendo Switch Online. Donc c'est fait, la publicité est faite. Donc je vous dis bon gaming tout le monde. Et surtout, ne partez jamais sans votre parapluie. Ciao, ciao! Alors, voici ce que je pensais du jeu Silius, Journey to Silius, la journée to Silius avec un Y parce que c'est en anglais. Donc, c'est un excellent jeu, je le recommande pour tous ceux qui ne l'ont pas encore essayé. Disponible sur le Nintendo Online Store et aussi sur n'importe quel site de ROM illégal. Parce qu'on est rendu là. Donc, c'était Alexandre slash Kujinix et je vous dis, faites-vous-en pas, ça va bien aller, mettez un j'aime. Partagez et aussi, ah ouais, abonnez-vous à la chaîne et commentez. J'adore vous lire. Quand c'est positif, c'est encore plus cool. Donc, peace tout le monde, ciao. On vous embrasse. Alexandre slash Kujinix, logging out. Je me déconnecte. N'oubliez pas, le pouce de la joie, c'est ça que je veux moi, le pouce de la joie. N'oubliez pas, le pouce de la joie, c'est ça que je veux moi, le pouce de la joie.